Bonjour, vous avez gagné un voyage dans le monde avec nous. Bonjour, vous avez gagné un voyage dans le monde avec nous. Ce séjour est obligatoire. Appuyez sur le bouton rouge au dos de l'enveloppe et fermez les yeux. Ce séjour est obligatoire. Appuyez sur le bouton rouge au dos de l'enveloppe et fermez les yeux. Vous êtes qui, vous? Et toi, t'es qui, vieux pipi? Je ne vous permets pas de parler aussi. Pardon, madame, je ne savais pas que je parlais en la douche chaise, en la grande 1. Non, pas une des chaises, je suis la PDG de la grande entreprise Google. Je ne suis pas, mais n'importe qui, et vous? Google? Je passe mes journées à jouer sur Google. Je suis un gamer, mémé. Moi, je ne jouais pas. J'ai passé mes journées à travailler. J'ai reçu une invitation étrange et je me suis sans retrouvé ici. Je ne comprends rien. Moi aussi. Je suis choquée. Je ne vous pas ce que vous avez en commun. Peut-être, mais nous sommes dans la même galère. Vos majestés fera qu'est-ce qu'on voudra. Et je marche par là-bas. Je vais voir ces femmes, mon inconnu et vous. Attendez-moi! Les voyageurs avancent sur un chemin brumeux dans une forêt sombre. La nuit tombe d'un coup, ils voient des yeux au milieu d'un brouillard. Qui est là? Moi. Qui êtes-vous? Je ne fais pas de mal. Sympa de penser aux copains. Lampin crétin. Que vous faites-tu, moi? N'ayez pas peur. Je suis seulement le roi de la peur. Je vais vous donner la signification du mot peur. Oh non, pitié. Pas de leçons de vocabulaire. Le vieux. On veut seulement savoir comment sortir de ce lieu. Toi, tais-toi, écoutons-nous. La peur nous protège, elle nous permet de rester en vie. Sans elle, nous serions tous inconscients, mais elle peut aussi nous faire mal, nous empêcher d'avancer. Vous avez eu le courage de m'affronter, je vous ouvre la porte du royaume suivant. Ils arrivent dans le royaume de la colère. Une tablette les attend. Ils appuient sur Play. Une voix leur apprend que les consoles de l'homme ont été confisquées. Non, à quoi ils jouent, c'est ripé. C'est quoi ce délire? Rendez-moi mes consoles. Touchez pas mes actions, sinon je serai dur comme un mur. Mon brave, répondez-vous. Ce ne sont que des consoles. Les contrats de madame ont tous été brûlés. Ah non! À quoi ils jouent? C'est une mascarade. Laissez mes contrats, mes bébés. Alors, Duchesse, toi aussi t'es en colère, ma mère. Quelqu'un m'a appelé? Rendez-moi mes affaires. Rendez-moi mes affaires. Vous semblez bien égoïstes tous les deux. Si vous voulez retrouver vos affaires, il va falloir sourire. Je vous ouvre les portes du royaume de la joie. La joie, nous importe quoi? Allez, viens, je vais mes consoles. Et toi, t'es en contrat, alors marche et boucle-la.
quel magnifique paysage! Regardez, splendide! Je n'ai jamais vu ça. D'habitude, je vois la nature à travers le cran de mon ordinateur. Léon, on va se baigner dans la rivière. Allez, soyez un fou. Moi, Ibu, je plonge. Waouh! Le roi de la joie sort de l'eau avec une princesse dans une main et le contrat dans l'autre. Tenez, vos affaires. Vous allez me quitter alors. Ne pleure pas, petit roi. On est bien avec toi. Moi, je ne veux plus de ça. Garde-les et joue avec. Si tu trouves ça chouette. Je ne veux plus jamais voir de contrat ou être enfermé dans un bureau. On n'a plus besoin de ça. Je pense que vous êtes prêts à passer dans le dernier royaume, celui de l'amour. Ils arrivent dans le royaume de l'amour et reçoivent une flèche en forme de cœur dans le cœur. Ah! 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 Quelqu'un nous attaque au fait de tirer à l'arc. Non, je crois savoir. Ce sont des flèches de l'amour. Oui, vous avez raison. Et je pense que vous en avez pas besoin. Vous aimez déjà. Final, plan final.